con. Allez, dehors. Vous allez faire des bêtises. Hein? Allez, dehors. C'est la bête. Je l'ai laissé en mode. C'est une maligne, celle-là. Oui, tu veux quoi? Alors, allez, dehors. Dehors. Je suis en mode de faire ça, mais je suis. C'est de ma faute. Ah, doucement. 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 Maman, je ne veux pas te faire de mal. Ça paraît ridicule, mais c'est ça, mon petit oiseau. Allez, ouste. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et là, j'ai pas l'impression d'être à Paris, voyez. C'est magnifique, tout ce que je vois là-haut. Didi, alors, regardez. T'en veux? Oh, il y a un peu de quoi. Tu veux de la salade? Ce sont des petites salades de pchoche pour eux. En voilà pour deux. Toi, viens, ma biche, viens. Parce que j'étais un peu en retard. Hein. Ah oui, on a pas passé, on a passé l'aspirateur hier, mais regardez, il faut recommencer aujourd'hui. J'ai un aspirateur spécial. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ce nid, il a des bordures roses, bien sûr. Elles sont venues manger ça pour le mettre dans leur nid. C'est malin. Oui, oui. Pour fabriquer le nid. Mais il était fabriqué, mais ça l'a enjolivé. Alors bon, on l'enlève, c'est pour... Pouf. Ah, c'est mignon. Allez, ouste. Je les laisse là, mais vous allez voir, ils vont passer tout doux par le petit trou, là, et on va les retrouver dedans. Je profite de mes oiseaux, parce que je pense à un certain moment, il faut profiter ou faire vivre les choses. Parce qu'il faut s'en occuper si vous voulez les faire vivre. Ah oui. L'été, il faut leur mettre de l'eau 3 fois par jour, même plus, parce qu'ils se baignent. Et puis, ils ont besoin de boire, hein. Et alors là, voilà mon piano. Vous jouez du piano, mon cher? Alors non, mais mon meilleur ami, oui. Oh, il faut l'amener. Il est gentil, il est gentil. Il est de Carcassonne. Alors, il est très gentil. Je connais bien Carcassonne. J'ai vu Édith Piaf, j'avais 14 ans, à l'opéra de Carcassonne. J'étais chez ma tante, on avait passé la ligne de débarcation avec mon frère, et on était à l'opéra. Oui. C'était pendant la guerre? Et oui. Et j'ai vu Édith Piaf commencer, mon petit, il l'avait mis sur le piano. Alors voilà mon piano, qui a été en 1870, déjà réparé. Vous soulevez un tout petit peu ici. Ouais. Et là, si vous voulez boire ou manger... Ça c'est mon boulot, ça c'est du travail. Ça. Alors ça c'est que on avait enlevé le, parce qu'il avait été réparé en 1910 et il était alors là il était à zéro, on ne voulait plus le raccorder. Et mon mari avait dit oh, mais non on va pas le, de Bordeaux on va pas le trimballer. Bon ça. Oh j'ai dit au déménageur j'ai une idée cette nuit et j'avais envie de faire ça. Ça j'ai fait voilà. Alors, vous voyez là j'ai fait. Là. Bon, allez, on va boire quelque chose. Hein. Aux oiseaux. Et aux oiseaux. Moi, je suis maintenant sur la pente machin. Hein. Sur la pente montante. Ou sur adios. Tout le monde le dit, mais et, non. Oh, bon, allez, chine. Chine. On s'accroche. Okay, maman. On s'accroche. Il y a la vie. Merde. Didi, viens. Viens. Tu lui montres la maison. On lui montre là. Ben, passe. Il n'a jamais aboyé. Si, quand il voit un gros chien qui s'approche ou quelqu'un qui ne l'oublie pas, d'accord. D'abord il lui pisse les chaussures. Vous avez eu de la chance. Rien à faire. Quelqu'un qui ne l'oublie pas, il ne rentrera pas à la maison. Et là, voilà ce que j'ai acheté qui me permet d'aller courir, pas loin, mais enfin de sortir. C'est ma Ferrari. Tout le monde rigole. Mais ça fonctionne bien, vous savez.
Non, c'est pas mal ça, hein. Puis on y est bien dedans. Et Titi, quand il a envie de sortir, il se met, puis me regarde, on dit, on sort pas aujourd'hui. Il est mignon comme tout. Regarde Titi, c'est quoi ce que je te donne, mon bébé. Oh, c'est un os. Mais, ouais. Mais ça, c'est du bonheur. Voilà. C'est tombé du ciel, comme ça. Je sortais de... Et ça fait 6 ans qu'il me supporte et que je le supporte. Vous l'avez trouvé dans la rue? Non. C'est quoi? J'ai une femme de ménage, à ce moment-là, j'avais une... qui arrive, elle me dit, avec un chien, ça, avec un morceau comme ça de saucisson, sans poil, sans rien. Oh, petite bête. Donc elle tout abîmée. Ouais. Elle me dit, madame, je peux pas l'amener au Portugal, les gros chiens vont l'avaler. Je lui dis, mais mariage, sors moi de ouais. La, qu'est-ce que je vais faire? Alors bon, j'ai téléphoné au rue de Crimée, au vétérinaire, oui. Je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive, tombé du ciel? Alors, oui, eh bien, ils lui ont enlevé les dents. Et les dents ont repoussé parce que les dents qui étaient cassées, c'était les dents de lait. Dans son malheur, il a eu du bonheur, ce chien. Ah, et moi. Parce que lui, c'est dès que je suis fatiguée, dès que j'ai un petit problème, il est près de moi, il dort avec moi. C'est une sacrée compagnie. C'est une grande... Pour moi, ça a été vraiment un machin du ciel. Il veut un câlin, mon petit-fils, il veut un câlin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? L'un d'autre, il me semble. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Tu fais pas pipi sur les chaussures, hein. Non. Il s'est pas assis sur le lit. Hein. T'es tranquille. Regardez-le. Vous croyez que c'est pas mignon, ça? Ça vaut tout, c'est sensationnel. Le bon Dieu m'a fait un beau cadeau. Parce qu'on avait, tu vois, comment elle appelle ça? Des barrigues, des petits barricots, oui, des barriques, des machins comme ça. Alors, ça a toujours été. Et ce vin de la barrique était vraiment extraordinaire. Parce que c'est le chêne, c'est tout ça, c'est ça qui est merveilleux. Mmh. Et ça prend le goût de tout ça. Ah ben bah oui. Et puis le fait d'avoir été chouchouté pendant quelques temps. Écoute, tu as effacé ça, toi. Autrement, je vais dire que j'étais. Et moi, vraiment, à mon âge, je peux le dire, honnêtement, je me régale avec un bon camembert. Et puis là, tu vois, on va le remplir. Ça sera. Ah, mais je serai toute seule ce soir. Mais ça fait rien. Si je mange un peu de fromage. De fromage, je me régale avec du bon pain, et voilà. Et c'est... Si vous nous faites des photos, vous nous faites des belles photos. Ah ben là, je filme. Sinon, on n'en veut pas. Hein. Hein, Pierrette, sinon, on n'en veut pas. Hein. De ce monsieur ou de son film? Non, de son film. De ce monsieur, moi, j'ai rien contre ce monsieur. Hein. Oh, le pauvre, sa femme, alors qu'il s'est guéri.